بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour. أما بعد، bonjour. On va étudier certains versets du chapitre Hud que la fille d'Allah soit sur lui. On va débuter par le verset 15. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Et puis il dit les gens qui inventent des faux messages et disant que ça émane de Dieu, ils auront aussi un avenir très sombre. Man kana yuridu al-hayat ad-dunya, c'est la majorité. Man kana yuridu al-hayat ad-dunya, ceux qui s'intéressent uniquement à cette ici-bas, c'est-à-dire cette vie terrestre. من كان يريد حياة الدنيا يديو دي الدنيا الصغيرة شيء لا بلو باس لا بلو زب لا بلو فيلان لا بلو سون فالور لا بلو كومو دير لا بروفوند اون تنابر اون موفيس كاليتي تيتيرا تيتيرا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توسكي كومو دير بوتي توسكي cosmétique, tout ce qui est superficiel, il y a le caractère, il n'y a pas l'être, et même pas l'avoir. Donc, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum, c'est-à-dire que va leur donner la rétribution correspondante, c'est-à-dire selon pas les autres. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, c'est-à-dire durant cette vie-là, fiha. Vous voyez que leur plaisir, c'est limité, très limité dans le temps et dans l'espace. Ouais, et même dans la variété des plaisirs, il n'y a pas beaucoup de plaisirs ici-là. Il y a le plaisir de la domination, il y a le plaisir sexuel, il y a le plaisir matériel, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas un plaisir en littérature, c'est presque rien chez eux, parce qu'ils sont des gens incultes, des gens qui sont cassants et qui sont vides. Ils sont dans le délire, ils n'ont rien de consistant. Donc vous voyez que les gens qui croient qu'on la vie terrestre, ils n'ont pas de vraie connaissance. Leur conviction, c'est quelque chose de vain, c'est quelque chose de creux, quelque chose qui ne sert à rien. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Donc fiha, c'est très limité dans le corps et l'esprit. Ils ne seront pas lésés. Vous voyez, c'est très limité dans le temps et dans l'espace, mais Dieu ne va pas diminuer leur salaire. Vous voyez que Dieu il est juste. Mais cette justice-là ne sert à rien pour ces gens-là. Parce que dès leur mort, c'est fini les plaisirs. Ils n'attendent que, ils n'ont qu'à attendre les déplaisirs, les souffrances et les supplices les plus. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Vous voyez que toujours Dieu il sait toute chose et il sait comment donner le salaire, comment rétribuer ses créatures. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. C'est-à-dire ces gens-là, justement ces gens-là, parce que les autres qui sont une minorité, ils auront un futur radieux dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Hayat Tayyiba ici, c'est-à-dire une vie belle, une vie où il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de jouissance ici, et dans l'au-delà, c'est l'éternité dans les plus beaux endroits. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار دونك لور لو دون لور دو لا سي لونفير أبكان جروب وحبط ما صنعوا فيها سدير
Aucun bruit ne peut aller jusqu'à cette étape-là temporelle, jamais de la nuit. Et puis tout ce qu'ils ont réussi à faire, toutes leurs actions, elles sont pas avec un bruit, c'est-à-dire c'est anti-productif. Parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir un plaisir qui va sur la nuit? Il ne reste que les regrets et les kilos de son participation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que ça se répète. Sur cet échec-là, ce fiasco-là, ça se répète. Et jusqu'à maintenant, cette majorité-là ne veut pas entendre le cri ou la voix de la sagesse. Donc, ils ne sont pas raisonnables. Il faut le dire. Les gens qui tuent, les gens qui domine les gens qui montent, etc. Les gens qui sont arrogants, méchants, antipathiques. Qu'est-ce que ça vaut? Ça ne vaut rien du tout. Même s'ils font la comédie, même s'ils font beaucoup de bougeot, etc. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'ils sont anxieux, n'ont jamais eu le calme, ils n'ont jamais atteint l'ataraxie, alors que les vrais musulmans, c'est tout à fait le contraire, les vieux médecins. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة ونبي موسى أبي جيف a témoigné que le Coran, c'est le Coran, c'est promis par Dieu. Et Mohammed, que la paix d'Allah, c'est le sceau des prophètes, que la paix d'Allah soit sur tous les prophètes. Donc, il a bien témoigné, les autres l'ont combattu, mais il est sauvé par ce témoignage-là. Et avant ce Coran-là, il y a la Torah, avant d'être défiguré et manipulé d'une façon tragique et d'une façon tendance. Avant qu'elle ait la vie, c'est mon robe, il écrit au chef de l'homme. On a comme l'écrit à Moussa, imam, on va dire, imam, c'est le guide, imam, c'est la référence. Imam al-Rahman, c'est la bénédiction, la grâce divine. Oulai qui ont mis la vie, ces gens-là, ces juifs-là, les vrais juifs, c'est les gens qui sont sur la bonne voie. Ce sont nos frères. Oulai qui ont mis la vie, donc ils croient en le Coran et ils croient en Mohammed et sa mission, que la paix d'Allah soit sur lui. Wa man yakfur bihi min al-ahzab et tous les coalisés. Tous les autres qui sont unis par leur mécréance, par leur paganisme, on en est pour lui, mais Hazel Fanar sera, comment dirais-je, son destin sera dans l'enfer. Fanar et il conseille le prophète Mohammed que la paix de Dieu soit sur lui, c'est-à-dire Allah, il met le prophète sur la bonne voie, que la paix d'Allah soit sur lui. C'est-à-dire, ne t'intéresse pas à ces gens-là. Ils sont mal guidés, sans jugeote, ils sont insouciants de leur avenir, etc. C'est-à-dire, sois sûr que le Coran, ça émane de ton créateur, d'Allah. C'est la vérité, c'est le verbe divin, c'est la parole divine. Et il dit que la majorité, dans toute l'histoire, que la majorité ne veut pas croire en Dieu ni à ses messagers et ses envoyés, que la paix d'Allah soit sur eux, aux célèbres, à la même.